Quelque part en Afrique, une gardienne de temple fut enlevée. Pour la délivrer, 12 vaillantes Amazones. Elles passeront par d'éprouvantes épreuves. Seules 3 d'entre elles atteindront la phase finale. Elles vont devoir se surpasser, dépasser leurs limites physiques, mentales et psychiques. En cas d'échec, c'est l'élimination directe. Joie, pleurs, rire, euphorie. Elles passeront par toutes les émotions. En prime, une superbe cagnotte de 1 million de francs CFA. Qui seront les 3 Amazones à atteindre la phase finale? La saga des Amazones sur votre chaîne préférée. Précédemment dans la saga des Amazones. Mes chers Amazones, vous êtes vraiment mauvais. Prochaine épreuve. Chers Amazones, voici venue l'ultime étape de votre parcours. Une seule devra passer cette étape. Et pour cela, vous allez devoir vous affronter dans un combat matérialisé par la lutte africaine. Celle qui réussira à mettre l'autre sur le dos pourra faire partie du trio final qui ira délivrer la gardienne du temple. Place au combat.
Karel l'emporte à la lutte en bonne capitaine et totalise 240 points. Face à elle, Jocelyne, qui a perdu, totalise 195 points. Fidèle l'emporte à la lutte et totalise 240 points. Epifania perd le combat et se retrouve à 210 points. Tania, elle, dans ce groupe, est victorieuse au niveau de la lutte et totalise 300 points. Xani ferme la manche avec un total de 180 points. Ça fait toujours mal de perdre. Donc j'ai eu mal, ça m'a attristée. Mais après, j'ai été contente pour la personne qui a remporté dans mon équipe et tout, voilà. Parce que c'est une amie et tout. Donc voilà, ça m'a fait mal, mais après, j'ai été contente pour elle, voilà. Quand j'ai appris que je devais combattre avec elle, j'étais découragée subitement. J'avais plus envie de continuer, au fait. Parce que je me suis dit, pourquoi combattre avec elle? Après, je me suis rendu compte que c'était un jeu. Et puis, comme on le dit toujours, c'est un jeu. Et puis, il y aura sûrement une gagnante. Comme ça, j'ai combattu avec elle. Et puis, j'ai gagné tout. Après l'épreuve, elle et moi, on s'est entretenus. On a pleuré sauvagement, elle et moi. Et puis elle m'a dit de ne pas pleurer. Comme on le dit, il y aura sûrement une gagnante. Donc elle est fière de moi, le fait que ce soit moi qui ai remporté. Voilà. Entre Zani et moi, ce n'est pas une histoire qui a débuté, je ne peux pas dire 2 mois, 3 mois. On se connaît il y a fort longtemps. On a commencé le mannequinat ensemble. On a presque partagé tout ensemble. Les bons moments, les mauvais moments et tout. Donc, j'étais vraiment hors de moi-même quand j'ai appris que c'était avec elle que je devais combattre. Ça m'a vraiment mise hors de moi-même parce qu'on n'a jamais eu de problème auparavant. Combattre avec sa meilleure amie, c'est bizarre en fait. Mais comme c'est un jeu, et puis on le dit toujours, ma tête, je n'ai pas eu le choix que de combattre avec elle. On s'appelait Pro, Mani, ou bien quand on veut parler de quelqu'un, et puis genre, on ne veut pas se faire remarquer que c'est de la personne dont on parle, voilà, on emploie ces genres de thèmes, voilà. L'épreuve de la lutte, cette épreuve-là me faisait peur depuis le début où j'ai appris qu'on allait combattre une lutte africaine. En fait, je ne suis pas du genre à combattre, en fait. Du coup, je me suis dit, plus mon adversaire, elle est tellement sportive, on sent déjà qu'elle était plus truc là que moi. De plus, elle est arbitre. Je me suis dit, il y avait un truc dans ma tête qui me disait que même si tu y allais, tu n'allais pas réussir. Donc, je lui ai dit aussi que je n'allais pas, que je ne pouvais pas, donc, à elle de jouer, mais sauf de ne pas me faire mal, que je vais lui laisser faire, mais de ne pas me faire mal, je le lui ai dit. Quand j'ai commencé, je jouais au jeu. Bon, je m'attendais déjà à être renversée par ma coéquipière, parce que je me suis dit qu'elle était plus forte que moi. Je m'étais déjà dit que je ne pouvais pas, donc ça m'a suivi en fait. Ça m'a suivi. Pour la lutte, je ne voulais pas laisser la place. Je ne voulais pas du tout, parce que je ne voulais pas perdre aussi. Hein? Au premier abord, je l'ai fait tomber. Deuxième abord, elle m'a fait tomber. Mais on n'était pas dans le cadre dont ils ont consigné. Troisième abord, elle m'a fait tomber. Bon, c'était rien pour moi. C'est une lutte. Et j'ai perdu, je n'ai pas le choix. C'était un peu comme ça. Ça m'a rappelé un truc. J'ai fait le lycée des jeunes filles.
Et puis, au lycée, il y avait des filles. Elles font chichi, chichi, voilà. Pour les luttes, j'ai souvent été la capitaine. Je les battais toutes. En fait, il y avait des filles de taille. En fait, avant qu'on ne parte, je savais que j'allais la renverser. Et quand je la regardais, je souriais parce que je me suis... En fait, je ne veux pas accepter le fait qu'elle me renverse. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas Carelta. Et même quand j'étais au lycée, quand il y a le football, on devait mettre les trucs. C'était moi, en fait. Donc, le sport, c'est mon truc. Et il y a même une dame, Madame Goussi Kende, je ne sais pas si... En fait, elle m'aimait parce que... En fait, il y avait le... J'agissais comme un homme. Et pour mon papa aussi, père à son âme, pour lui, j'étais son seul garçon. On est seulement trois. Il a seulement fait trois filles. Donc, c'est Carel tout le temps. C'est Carel, les trucs que je ne peux... En fait, même pour commander, c'est Carel. Elle laisse ma grande soeur, mais c'est moi. Donc, il m'a inculqué des... En fait, je me vois comme un homme. Et au lycée aussi, je tapais mal des filles. Mais j'ai grandi, j'ai changé. Alors, voilà. Je ne sais plus cette fille chouchou-là. Quand tu te rasades pour dire tu vas me taper, je te jure, je vais te taper à mort. On me dit, ouais, mon nom est Agbassa, mais sinon. C'est comme ça. J'étais contente, mais à un moment donné, je me suis dit, bah, ce n'est pas encore la fin du monde. Et il y avait aussi Jocelyne qui avait mal au pied. Je ne savais pas qu'elle avait eu un accident dans le passé, il fallait. Bon, elle ne m'a rien dit. Si après, j'ai su que c'était vraiment grave, et je me suis dit, bon, Carel. Ça, c'est pas la maison, c'était par hasard. Mais après, j'ai dit, bon, c'est une compétition. Tu as fait ce que tu devais faire. Voilà. Et je lui présente toutes mes excuses. J'ai pas fait ça volontairement. Je devais faire quelque chose et puis j'ai... Voilà. Oui, mais Jocelyne, désolée. C'était une compétition, je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait ça volontairement. Mon but n'était pas de te créer encore des ennuis. C'était une lutte et j'ai fait ce que je devais faire, ce qu'il fallait. Donc, désolée et bisous à toi. Nous connaissons désormais les trois grandes Amazones qui iront délivrer la gardienne du temple, Tania, Carel et Fidèle. C'était ma plus grande peur. Parce que Lola, franchement, je n'avais vraiment pas confiance facilement. Ils nous ont dit au début que l'eau, c'était pas beaucoup, ça n'allait pas atteindre. Ça allait juste atteindre le genou et tout. Mais quand je suis rentrée, j'ai mis le pied. Oh, je voulais faire demi-tour. Bon, je me suis dit, comme je ne suis pas seule, il y a trois filles. Donc déjà, ça va. Donc là, je suis partie. Oh là là là, c'est moi en fait. Parce que au début, ouais, j'étais là. Mais à un moment donné, je me suis dit, pouf, si seulement si je savais que j'allais rentrer dans ceci-là, pourquoi ne pas laisser une autre fille faire ça là à ma place, quoi. Parce que quand j'étais dans, je ne sais pas si c'est une mère ou bien, en tout cas, ça me dandinait et ça me... En fait, je ne pèse pas. Du coup, j'allais de gauche à droite, je dandinais n'importe comment. Déjà, on va délivrer la gardienne. On dit encore qu'on va la prendre. Ah, je suis de petite taille. Je dis, bon, c'est mort. Là, là, la paix, la Carel, tu n'es pas sûre. En fait, j'avais super peur. Mais on a essayé. On a essayé de prendre la gardienne. Bon, je priais. Je vous salue, Marie, notre Père qui est aux cieux, mon papa.
ne me laissez pas. En tout cas, j'ai crié au nom de la Vierge Marie quand j'étais dedans. Parce qu'à des moments donnés, c'était profond. Et j'étais là, je dandinais. Bon, là, j'ai prié. J'ai prié, oh là là. J'ai prié fatiguée. Roukayat Lassissi, Anaïs Akwefa Dossou, Fevor Ezine, Jocelyne Oche, Eurydice Charlène Dadi, Epifania Oyetola, Tania Smith, Linda Dossou Petit, Fidèle Minansi, Karel Bevet, Faouziat Adebidi, Terry Zani. Prochainement dans la saga des Amazones. Chers Amazones, merci beaucoup. Rendez-vous alors à cette grande soirée.